Victorieux en 93 de la Coupe du Monde constructeur des rallyes tout-terrain et des pilotes avec Pierre Lartigue, Citroën, fidèle au Dakar mais en désaccord avec l'organisateur sur le règlement de la course, engage seulement deux ZX Rallye Raid d'évolution confiés aux équipages Lartigue Perrin et Auriol Piccard. Fascinante Afrique qui attire pour cette épreuve nouvelle formule un nombre impressionnant de concurrents, 265 au total. Citroën, avec les ZX Rally Raid, équipé de nombreux éléments expérimentaux, est tout de même bien décidé à jouer son rôle. Le duel Citroën-Mitsubishi, 2ZX contre 4 Pajero, s'engage immédiatement. Depuis Bordeaux, la ZX 209 de Pierre Lartigue fait la course en tête. Le début du parcours africain réserve son lot d'événements. Le Pajero de Fontenay perd une roue, mais incident beaucoup plus grave pour l'écurie Mitsubishi. Sa bille casse le train avant de sa voiture dans une saignée. Résultat, il prendra le départ de la prochaine étape avec un handicap de 9 heures. Citroën avec Auriol est aussi inquiété. Un début d'incendie sous le capot moteur, vite étouffé par l'extincteur automatique, retarde la ZX 207. Une réparation de fortune lui permet de repartir avec seulement un peu plus d'une heure de retard. Lartigue, toujours en tête, se fait un devoir de gagner la spéciale qui mène à Dakar.
À la mi-course, la Citroën de l'Arctic Perrin est en tête devant la Mitsubishi de Shinuzuka Magne, suivie de près par Auriol Piccard. Le retour vers Paris devait passer par la Mauritanie et ses célèbres dunes de sable mou. La traversée de ce désert, qualifiée de très difficile, se révèle vite sur le terrain au-delà de sa réputation. Sous un soleil au zénith, tous les concurrents, auto-moto, s'enlisent et repartent pour n'avancer que de quelques mètres. Face à cette situation, chacun prendra la décision qui lui paraît la meilleure. Mitsubishi, en décidant de traverser ces dunes coûte que coûte, ne pourra, faute de temps, être prêt pour le départ de l'étape suivante. L'écurie abandonnera, privant ainsi le rallye et Citroën d'un sérieux concurrent. Citroën, avec plus de 4 heures d'avance sur les Mitsubishi avant leur abandon, continuera son festival de victoires d'étape jusqu'à Paris. Au total, les ZX auront remporté 17 spéciales sur 21. Un exploit prouvant ainsi l'efficacité et la fiabilité des hommes et de la technologie Citroën. En plaçant ces deux ZX aux deux premières places, avec l'Arctic Perrin et Auriol Piccard, Citroën signe une nouvelle victoire historique au premier rallye Paris-Dakar-Paris 94.